Kenya Airways a enregistré une marge opérationnelle de 8,88 millions de dollars pour la période de mars à septembre 2016. Cela redonne espoir à la compagnie aérienne qui pourrait inverser ses années de pertes. Selon Kenya Airways, les pertes de la compagnie avant impôts ont considérablement rétréci lors de la première moitié de l'année fiscale. Les marges opérationnelles, quant à elles, ont augmenté. Cependant, les investisseurs, orientés vers la chute des recettes, sont loin d'être impressionnés. Les actions de la compagnie aérienne, qui a surallié près de 70% ce mois-ci, dans l'espoir de se redresser après des années de pertes, ont chuté de 11% à 6 shillings après les résultats de jeudi. Kenya Airways, détenue à 27% par Air France KLM, a réduit la taille de ses flottes, a vendu des actifs non essentiels, dont des droits fonciers, et a réduit des emplois pour essayer de s'en sortir suite à la baisse du tourisme au Kenya à cause des attentats des activistes islamistes somaliens. Les trois principales priorités de l'entreprise sont la réduction de l'écart des rentabilités, le renforcement du modèle commercial et l'optimisation du capital de l'entreprise.